Hey coucou, aujourd'hui on va avoir un petit morceau un peu smooth, voilà, donc ça va être un morceau autour des tierces. Comme d'habitude, je t'ai fait une petite instru. Dans le mail, tu as reçu l'instru ainsi que l'instru avec tous les instruments et comme d'habitude l'instru sans la guitare. Donc ça va être un petit jeu autour des tierces, c'est assez joli. Tu peux le faire, moi je le fais avec la guitare électrique, mais tu peux le faire aussi à la guitare sèche, la guitare folk si tu l'as. Il y a moins de réverb, le son, voilà, ça sera pas le même, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que tu t'entraînes à faire ce jeu de tierces qui est assez incroyable, tu vas voir. On regarde le morceau tout de suite et on voit ça en détail juste après. Ok. Comme tu as pu le voir, il y a une petite progression y a une petite progression dans le morceau, ok? Mais ça reste autour du même principe de guitare, du même principe. Donc pour ça, tu auras besoin de deux doigts pour faire les accords. C'est parti pour voir en détail. Donc moi, je me suis fait un peu mal au doigt. Je me suis coupé l'index, enfin le bout du doigt. Donc du coup, j'utilise le pouce et le majeur. Mais toi, n'hésite pas à utiliser le pouce et l'index pour la main à la rythmique. Ok. Donc comme tu as vu, c'est une petite progression d'accords. Donc déjà, on va voir les deux. On va voir les deux tons d'accords. Donc il y a comme un petit couplet et un petit refrain. Voilà, il y a deux parties différentes. Donc celle du couplet, on va la voir. On va voir juste les accords. C'est parti. Donc la première accord, c'est un accord de la mineur. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux notes. On fait la fondamentale et la tierce. Et quand on fait ces deux notes-là, donc sur la première corde, la corde de mi, et sur la quatrième, la corde de sol, là on va faire le la mineur. Donc on va faire le la et le do. Donc ça fait un accord mineur. Voilà, on met un accord à deux notes. Donc ça c'est le premier. 1. Donc on va le compter 4 temps. Ça va faire 1, 2, 3, 4. Ensuite on va aller en fa. Fa majeur. Ok, donc là pour faire le majeur, eh ben, la tierce, t'as compris. On va la monter d'un demi-ton, comme ça, elle va passer de mineur. Ici, je fais un fa mineur. Et là, fa majeur. Oh yeah! Donc ici, regarde, on est en 13e case. Ici, c'est la 12e, tu as les deux points. Et donc, nous, on va juste une case en dessous. Donc, c'est après le mi, il y a le fa. Voilà, ça, c'est le deuxième. Donc, ça va faire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3. 4, ok? Ensuite, pardon. Là, on arrive en Do majeur. Ok, donc en Do majeur, tu as compris, hein, on décale notre doigt ici pour arriver sur la note, la tierce majeure. 4 temps. Et là, le Ré mineur. Donc ça va faire La, 2, 3, 4. Fa majeur, 2, 3, 4. Do majeur, 2, 3, 4, Ré mineur. 2, 3, 4. Ok? Donc on reprend ça ensemble lentement. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et Fa. 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Super. Et le dernier accord du couplet, ça va faire, donc on est en Ré. 1, 2, 1, 1, 1. Donc ça va faire 1, 2 et 1, 2, 3. On recommence. 1, 2 et 1, 2, 3. Donc tu vois, on va mettre du ternaire à l'intérieur. Donc ça va faire 3, 4 et 1, 2, 1, 2, 3. Donc ça va faire 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 1.
deux fois là où on va mettre le petit doigt. Ça fait 1, 2, tin, 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 1, 2, 3, 1. Maintenant, sur la... donc ça, on va le répéter deux fois dans le morceau. Et ensuite, on va jouer donc la fondamentale, la tierce. La fondamentale, la tierce. Comme ça, tel un va-et-vient. Voilà, donc ici, tu vois bien la rythmique. Donc ça fait 1 et 2 et 3 et 4 et... Ah, il y a un petit lien avec le reggae quand même d'avant. Ensuite, on descend en fa. 1 et 2 et 3 et 4 et... On va en do. 1 et 2 et 3 et 4 et... Et en ré. 1 et 2 et 3 et 4 et... Donc on y va tous les deux. Bah tous les trois si vous êtes deux à jouer de la guitare chez vous par exemple. Ok, donc lentement. 1, 2, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 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 4 et... Alright. Ensuite, il va y avoir le refrain. Donc le refrain, on voit juste les accords. Donc ça commence pareil, c'est La mineur. 1, 2, 3, 4. Ensuite, c'est toujours le Fa majeur, sauf qu'au lieu de l'aller le jouer ici, eh ben, on va le jouer en haut du manche. Voilà, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va jouer le Do majeur. 2, 3, 4. Et là, voilà, donc c'est les mêmes accords, sauf que le dernier, au lieu d'aller sur un Ré mineur, on va sur un Si bémol majeur. Ok ? Donc là, ici, c'est un Si bémol, et donc, on est en sixième case, ok? Et comme le doigt, ben, vous avez vu, il est décalé d'une case, et ben ça fait la tierce majeure. Si mineur, Si bémol mineur, Si bémol majeur. T'entends la différence? Beethoven. Ok. Et donc là, on va jouer en triolet. 1, 2, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, t'as la pulsation qui est tout le temps comme ça. Et nous, on va jouer en ternaire dessus, donc en 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Donc c'est pour ça que le refrain, on va faire 1, 2, 3. Donc ça fait tam, 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 tam. Tam 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 2 3 tam tam 1 2 3 tam tam. Ok, avec moi, faut que tu le chantes, faut que tu puisses vraiment l'entendre, tu puisses vraiment le chanter pour que tu puisses le jouer en fait. Si tu ne l'entends pas, tu vas pas pouvoir le jouer. Donc là, le but, c'est vraiment que tu l'entendes. Donc tu fais la pulsation avec moi. Allez, tu le fais. Eh oui, tu tapes dans les mains. Bravo. On y va. 1 2 3 4 1, 2, 3, tam tam. 1, 2, 3, tam tam. 1, 2, 3, tam tam. 1, 2, 3, tam. J'entends rien. 1, 2, 3, tam tam. 1, 2, 3, tam tam. Tam 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 tam. 1, 2, 3, tam tam. Parce que ça va faire 1, 2, 3, tam tam. Eh ouais, sinon on le ferait pas. Voilà. Donc on le chante parce qu'après on le joue. Donc ça fait 1, 1, 1, pam pam. Ensuite on va ici. Enfin, 1, 2, 3, pam pam, on va en do. Et après, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc le dernier sur le Si bémol, ça va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc on recommence lentement. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc t'as vu, je mets mon doigt ici hein, sur la même corde, la corde de Sol. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore on reprend, ça fait 1, 2, 3, tam tam, 1, 2, 3, tam tam, 1, 2, tam, tam 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 tam. Donc là, il y a la dernière partie. Donc ça va faire ça, hein, en décalé. Ok, donc c'est des croches. Et à la fin, on a deux doubles. Tan 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 tan. Ok, donc on y va. On va reprendre donc la dernière partie. Elle était bientôt à la fin.
T'es bientôt à la fin du morceau, tu vas y arriver. T'es chaud. 3, 4. Ton tin, 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 ton tin. Donc on y va avec la guitare. 3, 4 et ton tin, ton tin, ton tin, ton tin. Ah oui, après tu vas ici. Ok, Do. Si bémol. Donc si on enchaîne les deux parties du refrain, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ok, on fait encore une fois cette partie lentement. On y va avec le morceau maintenant.